Mes compatriotes guinéens, avant que je vais commencer cette vidéo-là, d'abord, je vais m'adresser aux communautés Diakanké, précisément ceux qui sont à Gawal, en bon Diakanké. Après, je vais continuer en français et en malinké et en soussou et en langue peul. Mais je vais mettre les vidéos de Malik Sanko aujourd'hui que tout le monde n'a qu'à écouter attentivement. Mais avant que je commence mon vidéo, ce commencement-là, j'ai un message à transmettre à ces communautés Diakanké. Donc, vous allez prendre les patience. Il faut que j'explique ça en bon Diakanké pour que la communauté Diakanké vont comprendre qu'est-ce que je vais dire. Parce que ce n'est pas tous les Diakanké qui comprennent français. La majorité comprend français, mais ce n'est pas tous les Diakanké qui comprennent français. Mais alors que c'est un message important. Mbadi Ndiarangoulou, Mbadi Ndiarangoulou, Touba Gawale, Yahangobe, mais adressé de Yahangobe, Mani Ndiarang Kamela B. Mais surtout, Touba Gawale, Alou, Wouli, Alou Hilo, Bere Hilo, 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 Hadamadinya, Ninta Bantaboule Signe Roya. Et quand on a fait le signe royal, on a fait le signe royal. Alors, on a fait le signe royal. 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 On a fait Alpha Condé, on a fait le signe royal. Subofaka dannalun to tide dannan to timen be subofaka la dannale mul timen se mo fofaka kam ko subodomu kam ko yelomi a video be kerne ne be khala mele be kha video gele Alpha Condé le khawlu préparer Alpha Condé le mo subodomu la le mo Alpha Condé le mo ko yelomi na le mo Alpha Condé la dannam menno mo dannam ko fofaka dannale mo Alukana fo koko be consitelile ko problème be consitelile ko problème be gawalle o manque ko sobeti problème même be consitelile problème même be gawalle asisi le touba gawalle problème fenfen sita gawalle asisi le touba gawalle problème fenfen sita consitelile asisi le touba gawalle problème fenfen sita gawalle ou bien consitelile asisi le kundara jahanguluma asisi le sareboido jahanguluma sareboido jahangulu Kundara jahangolo alors ici que khal boulo le nyonka kono no ibe foulo ibe foulo ibe nyanla foulo le luma ibe foulo le contre ina tassa no fengoli la wallahi to asekal nyala asekal nyala alse nani misa ninta bulata alu wuli alu khilo be khilo ilo de la khilo de la fa khaton sigala khako dam wuli khafisa mbadi jahangolo donc mbé fo la télé lui alu kanilo problème al nyabala don sol ni Et comme Ndanalo, Alpha Condé, le Mouroufara, Et quand on a dit que les gens sont en train de se faire, ils ont dit que les gens sont en train de se faire. Ils ont dit Alpha Condé gens Alpha Condé mu kafiru leta. Fem fem be Alpha Condé fa be mu kafiru leta. Fere wona ni ala jama. Fere wona menu tuta kulu njumi ba kono la. Atelu Alpha le lu konte liye. Ko ala ta la kon ka nak fula ka ala ta la ma. Atelu Alpha le lu khante lu bullo la yitanna. Han nakara al Quran la. Ha mislime ya ta haytan tella. Alu kokon kana fulaka fo Allah ta'ala ma sayru luqman suratu luqman konola akoko akhisara dimula tara akoko ndimulu kombe kombe sarala Allah alu kana fulaka fo Allah ta'ala ma alu khitilin al alu tongondi alama hafu alamu kilinete muhomu ko fil lakafulu muhomu ko bebe Allah ta'ala muhomu ko nabe Allah ta'ala al nabe fulaka fulale Allah ta'ala ma muhomu ko malla Allah ta'ala ko alu khisobala woto mo kanna mo ni kafirun te kafunyo mati kala mo ba tuba
atumbe tu baba konile do ko ko tu baba ka daji do ko ko tu baba koni do mun la karam ko batu baba ta tu baba gawal e tu baba koni ima fu na alfa al konye ko parce que tandalo meno se na carte go so lan ya tu baba ba de tu baba koni do sa tu baba ka daji karam ko ba dimo do ni wole ko fata ube do ko kala talibo wole se ta tenju ten ten do lo bo o do lo mimo adimo lo adimo do takata wole mi ube ala talibo do takata wole mi wole karam ko ba bota tuba koko mo ko ni kafiro te sigi nyoko mati woto karam ko ba kilimo le la sate mu gawalti woto mo ko mendu be mo ko do mo la mo ko mendu be yelo mi mo khadama di yelo minna ibe khadama di mo fakhala nate lu ko kalbe do wala wole ate lu ko kalbe bulogo sila wole woto wallahi albint lu karam ka alquran minna alu khant lu dino almasata la la dino nyafo nyanya minna woto malala nal betongo ndiar woma mon alfa le malta c'est raquette parce que kumu ha golele mugo ila alfa mouila alfa liti bari atelu khantelu bula silokan kum kana fula kafu ala talama kunni fil la kafu lu kanaka kilinti kunni munafakhu lu kanaka kilinti kunni kafiru lu kun kana dua kafiru lu kanaka kilinti atelu be dua ka alfa konde nal jamaa lu be godo lam taka alfa konde nal jamaa la khadwa wonte khadama di nyati merci ta gawal même si tu as consulté la Cécile Touba à Cécile Sarebodo à Cécile Kunda donc on va déjà ngol mbé le fonalé donc mes frères guinéens mais ça c'est là je préférais passer ça en bon diakanké pour que mes frères diakanké pour que mes parents diakanké vont comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Maintenant je vais commencer les vidéos maintenant tout de source. Je vous dis l'autre jour là, toutes les sources ont un commencement à un fin. Hier, je vous avais dit ça. Toutes les sources ont un commencement à un fin. Et à Afghanistan, les talibans, ils ont fait plus de 20 ans d'élite, mais aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent Afghanistan. Kaboul, on voit que j'ai récupéré Kaboul, ils ont récupéré Kaboul et par toutes les Afghanistan, tous les territoires de Afghanistan. Donc maintenant, quand on est affaire avec une personne qui ne croit pas en Dieu, quand on a une affaire, une personne qui n'a pas humain, comme les clans de Alpha Condé, quand on a une affaire, une personne qui est ennemie de la Guinée, qui est ennemie de la humanité, on doit prendre le destin à main. Nous, les CNS, on ne doit pas accepter, on ne doit pas être resté bras croisés sans faire rien, sinon nous sera complices pour détruire notre propre avenir. Si on n'a rien fait, si on n'est pas réagi, aujourd'hui, nous les jeunes, on va être complices pour détruire notre propre avenir. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de cadavres à Sigri. Le Donso, les milices, des terroristes, des sanguinaires, des rébellions de Alpha Condé en train de tuer nos frères à Sigri. On a vu ça. Les balles réelles sont les donsos, ce n'est pas l'armée, c'est pas armée républicaine, ce sont des milices de Alpha Condé qui tuent là-bas. La même milice Alpha Condé qui a tué à Fouta, qui a tué à Ratoma, qui a tué à toutes les têtes du territoire de la Guinée. La même milice qui sont tués les gens à Zerkore. Le 1er mai 2020, on a eu des fosses communes, plus de 270 personnes qui sont dans les fosses communes à Zerkore, grâce à ces milices-là. Plus de 270 personnes qui sont dans les fosses communes à Zerkore le 1er mai 2020. On a vu ça. Tout le monde est au courant de ça. Maintenant, Alpha Condé a dit que c'est Papa Koli qui a amené les gens qui mangent les viandes des humains, qui voient le sang humain, que c'est le forestier qui fait, mais alors que c'est le milice de Alpha Condé, c'est le donzo de Alpha Condé qui fait ça. Maintenant, les gens qui sont trahis la Guinée, les gens qui sont trahis la Guinée, les Guinéens, nous, toujours la vérité en train de sortir dans la lumière. Nous, on dit Lansana Kouyaté, c'est un bon patriote. Nous, on dit Lansana Kouyaté qui veut la paix, qui veut harmonie, qui veut que la Guinée avance. Lansana Kouyaté, c'est un traître. C'est quelqu'un qui a trahi la Guinée. Il est le groupe de Alpha Condé qui sont mis la Guinée en chaos. Donc, écoutez attentivement des vidéos. Ce n'est pas Fou de Diakité qui va dire. Après, je vais donner mon point de vue avec les vidéos que je vais mettre ici. Malik Sankom,
a fait réunion en vie pro avec Alpha Condé, avec Lansana Kouyaté. Le moment de le 22 janvier 2020, tous les gens qui sont morts à le 22 janvier 2020, c'est Lansana Kouyaté, Malick Sankon, Alpha Condé qui a préparé cette coup pour la massacre de 22 janvier 2020. Et on a eu, mais ça nous a même coûté état de cesse en Guinée. Moi, un de mes frères, un de mes amis, mon ami intime, qui on a grandi ensemble, Yerobalde. Yerobalde, il est de Kankako. Il y a un village qu'on dit Kankako. Le préfecture de Maliembre. Il a quitté son village natal, venir à Touba à cause de moi. On a grandi ensemble dans la maison de ma maman. Yerobalde a été tiré les balles réelles le 22 janvier 2007, pardon, parce que je suis en couleur, vous allez m'excuser. Le 22 janvier 2007, mon ami Yerobalde, parce que je vais dire, c'est mon jumeau, Yerobalde, Yerobalde a laissé sa famille, a laissé sa maman, a laissé ses frères, a laissé toute la famille dans son village natal, venir à Touba, à cause de moi. Le moment que je suis un enfant, il est enfant. On a grandi dans la maison de ma maman. Tous les Touba, tous les sept districts de Touba peuvent témoigner de ça. Ce fils de Mangamambi, Mambi Balde. Mangamambi Balde, c'est son fils Yerobalde. Il est aimé de sa famille, mais à cause de tout ça, là, il a laissé pour venir à Touba à cause de moi, Yerobalde. Yerobalde a reçu les balles le 22 janvier 2007. Quand nous passons, quand les gens dépassaient, Alhamdoulaye, arrivé à 8 novembre là-bas, à côté de 8 novembre là-bas, c'est là-bas qu'ils sont tirés balles réelles à Yerobalde. Donc, ça m'a touché. C'est quelque chose qui s'est gardé dans ma tête jusqu'à mon dernier vie. Jusqu'à ma vie, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever dans ma tête. Qui a resté ici. Parce que Yerobalde, pour moi, c'est un frère de lait. Même mère, même père. Malgré, on dit Yerobalde, il faut déjà quitter. Parce qu'on n'est pas même père. Et biologique, mais psychologiquement. Donc, amoureusement, on est même père, même mère. Yerobalde est décédé. À cause de quoi? À cause de l'amalgame Lansana Kouyaté, Alpha Condé, Malick Sankon. La vérité est en train de sortir aux lumières. Moi, il faut déjà quitter. Le 22 janvier 2007, je n'oublie jamais. Parce que c'est une date qui est très douloureuse. C'est une date, le souvenir de 22 janvier 2007, c'est un mauvais souvenir pour moi que je n'oublierai jamais dans ma vie. Jusqu'à les derniers jours de ma vie. Maintenant, qui ont préparé ça? Lansana Kouyaté, Alpha Condé, Malick Sankon, pour déstabiliser la Guinée, déstabiliser le gouvernement du général Lansana Kouyaté. Nous pensons Lansana Kouyaté, c'est une bonne personne. Mais on voit, la réalité, c'est totalement contraire. Écoutez attentivement des vidéos. Après, je vais voir. Je vais venir parler. Donc, je pense que tout le monde a écouté. Mais vous allez écouter d'abord avec votre permission. Après, on va tirer une conclusion. Parce que... Une vidéo, des séries de vidéos dans cette vidéo. Mais nous sommes à la fois, nous ne sommes pas rien. C'est pourquoi. C'est moi. Et ça. Sous-sous, il n'a pas la mort. Les vidéos m'ont aussi dit. Nous t'y a aussi.
ndile mama nga wo ya wobe o hara me o yi video o ira me a wo ema so so ku a tra radio re français ala be mfa ve ya cause écoutez ça fait entre Alpha Condé, Lansana Kouyaté et Malik Sanko. Ils sont trois personnes. Dakar. Avec un coup de pistolet,
tous les coups, ils viennent le voir. Tous les coups, ces coups viennent le voir à l'hôpital. En parlant, à ma téléphone, je savais, à quoi il se là. Pendant que j'étais sur mon lit, moi, je négociais avec Conakry. Et là, Abdul Hadi, à la Rayafama, il a été secrétaire général de la Ligue. Alors la Bibi, alors la Sankom, alors la Sosé Vardama, qui est également la reine de la partie de Conakry, mourir par Bibita, mourir à ma bombe de lui, là et là, à Ouam, à ma tina, à ma langue, au Kata, là ça le fait dire à tout le monde. Alors ça le fait dire que le ministre de la là à ce moment, ça m'a dit, là à Ouam, à ma bombe de lui, les gars, on s'en met que le pas. Sori, là à la ma, là à la vie, à la reine de la Sankom. Et là, à Bibi, il faut que je rembourse ces dettes. Si je viens au gouvernement, je ne pourrais pas. Donc, voilà.
Allah. Look it up.
Mangar
Voilà. Vous avez écouté les témoignages de Malick Sanko. Donc, ils ont, alors que c'est Lansana Conté qui a donné opportunité, Malick Sanko, s'il était pauvre, misérable, maintenant, Lansana Conté a donné toutes les opportunités. Lansana Conté a donné le poste stratégique. Lansana Conté a approché de lui. Maintenant, c'est eux qui sont trahis Conté. C'est eux qui sont trahis la Guinée encore. Vous voyez combien de fois la Guinée est en danger. La gravité, tu as vu jusqu'à présent, comme jeunes de la même clan, jeunes de la même idéologie, écoutez, dès que Alpha Condé était président, écoutez la même Malick Sanko, Malick Sanko a dit. Vous avez écouté, ça fait pour que Alpha s'est extrémisé au pouvoir, on doit passer tous les moyens. Tous les moyens. Si il faut tuer toutes les populations guinéennes, que ça doit être défendu par tous les moyens. Maintenant, nous les Guinéens, pourquoi on ne passe pas tous les moyens pour dégager Alpha Condé au pouvoir? Vous avez écouté, Alpha Condé a dit que la guerre, on ne le fait pas pour diamant. La guerre, on ne le fait pas pour l'or. La guerre, on ne le fait pas s'il n'a pas de démocratie. Que lorsque chaque élection, le pouvoir en place se maintenir, c'est foraudeux se maintenir au pouvoir. Que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recourir des armes. Armes de guerre. Malick a dit qu'il doit défendre la constitution pour que Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Il va défendre la constitution à tous les moyens. Tous les moyens, même s'il faut organiser la guerre civile, s'il faut organiser les rébellions, s'il faut organiser... Les milices, ils vont organiser. Parce que lui, il a dit qu'il a recruté plus de 10 000 milices, 10 000 personnes pour massacrer à la population, aux populations guinéennes, pour que et leur objectif, leur procès puisse passer. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a recruté 3 000 personnes. S'il va, il va recruter jusqu'à 10 000 personnes. Alors qu'il se trouve, il y a de l'armée guinéenne qui est en place. Il y a des forces, la défense et des forces de la sécurité. La police et la gendarmerie
et les militaires et paramilitaires et consorts là, etc. Donc, avec ces situations, l'autorité de l'État, ce que nous pensons, ils vont être là pour le progrès de la Guinée, pour entrer la Guinée, pour entrer supérieur de la nation. Maintenant, c'est eux qui sont trahis et la des populations guinéennes, c'est eux qui sont trahis la souveraineté nationale, c'est eux qui sont trahis valeur démocratique de notre pays. Mes frères guinéens, moi je dis à faux de Bangoura, monsieur Maître Abbas Bangoura, aujourd'hui je suis face contre faux de Maître Abbas Bangoura, parce que je le dis, on doit créer la transition. Si l'armée guinéenne n'est pas capable, si l'armée guinéenne n'est pas prête pour libérer la Guinée, moi, faut déjà quitter avec nos frères qui sont en France, en Allemagne, etc., tout, un peu partout, jusqu'à en Afrique. Nous sommes prêts pour libérer la Guinée, pour organiser une transition inclusive. Gouvernement d'union nationale de la transition, inclusive. Maître Abbas Bangoura a dit ah, il faut attendre jusqu'à quand? On doit créer gouvernement d'union nationale de la transition. On doit créer gouvernement d'union nationale de la transition inclusive pour dégager. Parce que si le grand frère Fode Abbas Bangoura, lui, il est plus âgé que nous. Nous, c'est notre avenir qui est en danger. C'est l'avenir de notre enfants qui sont en danger. Maintenant, nous, on va rester ici pleurer jusqu'à quand, sans réagir, sans avoir la solution. Il faut qu'on défende la démocratie, il faut qu'on défende l'unité nationale et l'intégrité territoriale, et débrasser cette carcan de domination de Alpha Condé, cette carcan de domination des clans Alpha Condé. Parce que avec ces carcan de domination là, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'on va passer tous les moyens, comme ce que Malick Sankon a dit, par tous les moyens pour débrasser avec ce pouvoir. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible dans la vie. Donc, mes frères guinéens, je ne peux pas être trop long parce que nous sommes 21h et quelques maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté. Et prends votre temps pour m'écouter. Et je remercie toutes les personnes qui m'écoutent et toutes les personnes qui vont venir nous écouter après. Je suis votre frère. Je suis là pour l'honneur et la valeur de la République.